connard de se retrouver dans une galère sur la route. Premier panneau. Oh merde. Deuxième. Te barrer à 7 km. Mais ouais, putain, il est bon. Hein. Colombière. Troisième, mais personne n'y croit. On arrive. Et bien sûr, la déviation. Vers une petite route. C'est indiqué 4 km. Là pour se croiser, c'est pas facile. C'est un camion, hein, c'est obligé. Mais ça, c'est du camion quand même. L'avantage du camion, c'est qu'il nous ouvre la route. Ah, c'est ça, c'est qu'un petit car. Et là, personne ne discute devant le camion, tout le monde s'égare. C'est un gros camion. Mais t'avances pas. Il faut que j'aille me garer là-bas. Ah, il y a deux camions. C'est quoi ce bordel? Donc un camion qui venait d'en face qui est descendu à gauche. Et notre gros camion devant qui s'est mis dans une petite rue pour laisser passer celui qui nous croise. Et là, c'est pas facile. Le camion joyau s'est garé, heureusement. On ne sait pas comment il va sortir après. C'est sûr? Ouais, ouais. Jamais je passe. Normalement, avec le camping-car, vous passez. Oui. Parce qu'avec la camionnette, nous, on passe, donc... C'est sûr? Oui, oui. Fais gaffe au panneau, là. Regarde dans le trou, là. On ne dit pas merci au monsieur, mais on y croit quand même, puisqu'on s'y engage. Mais le passage n'est pas là. Va un peu frotter sur le lierre. On ne chante pas trop dans la cabine. Ah oui, ça rejoint la route. Le miracle, c'est que ça rejoigne la route de l'autre côté. Vous avez un 15 tonnes qui est juste derrière là, ça bloque. C'est pour ça que c'est bloqué. Il n'y a rien qui passera. Hein. Tout droit, parce qu'elle aura gagné. La règle du code de la route, c'est que le moins manœuvrant est prioritaire. Oui, là, c'est pas passé, là, c'est pas la plus. Là, en l'occurrence, le moins manœuvrant, c'est moi, avec le camping-car. Et les voitures font pas bien d'efforts pour me laisser pas de passage. Ça faillit, on a le camion derrière nous. Eux, ils l'ont devant.
Faudra vous garer mieux que ça, il y a un 15 tonnes derrière, c'est pour ça que c'est tout bloqué. Hein. Mais il y a la déviation. Attention. Voilà, encore quelques galères avec des voitures qui ne respectent pas la priorité. L'autre il s'est pas arrêté pratiquement. Hein. On a eu de la chance. Je le dire depuis tout à l'heure, mais ça t'empêche pas. Le plus gros est derrière nous. D'aller vite, je comprends pas. Parce que j'ai envie vite de me sortir de ce bordel. C'est ça. Et voilà, ça y est. Après une heure de route pour faire 4 km, c'est le soulagement. On revient vers des routes normales. Grosse galère et grosse angoisse.